Bonsoir, direction Nice, où l'ambiance était assez agréable pour aller piquer une petite tête avec un petit peu de soleil, quelques nuages et une température de l'eau à 17 degrés. En revanche, en début de soirée, la pluie était de retour et parfois accompagnée d'orages. Et oui, pas de grands changements au niveau des conditions météorologiques avec encore des nuages présents qui empêchent les températures de baisser. Ainsi, elles seront de saison demain matin avec 16 degrés relevés à Perpignan et Bastia. Il fera 15 degrés à Nice, on attend 14 degrés à Marseille. Il fera 13 degrés à Bordeaux, 12 à Dijon, on attend 11 degrés à Tours, 10 à Limoges et il fera 9 degrés à Aurillac. Alors, dans la matinée, le ciel restera chargé des Ardennes et du sud-est à la Corse et au sud-ouest avec des précipitations. Des nuages s'inviteront sur la pointe bretonne. En revanche, on observera de très belles éclaircies. Du nord au littoral atlantique, dans l'après-midi, le temps se déstabilisera et des orages éclateront. Du Doubs aux Hautes-Alpes, les nuages stagneront des Pays de la Loire au Cotentin. Le soleil, quant à lui, brillera encore des Hauts-de-France et de la Normandie au littoral de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le long des côtes provençales. Les températures seront légèrement au-dessus des moyennes dans l'après-midi, avec 22 degrés attendus à Montpellier et Marseille. Il fera 21 degrés à Nantes, on attend 20 degrés du côté d'Orléans, il fera 19 degrés à Metz, 18 à Rouen. On attend 16 degrés à Cherbourg, à Clermont-Ferrand, Aurillac ou encore à Tarbes. Lundi, une zone pluvieuse glissera du nord de l'Hexagone à l'Atlantique et aux Pyrénées avec beaucoup de nuages, de la pluie et de la neige sur les Pyrénées. Cette tendance se confirmera mardi, où on alternera entre nuages, averses, éclaircies et toujours de la neige sur les Pyrénées, mais aussi sur les Alpes du Nord. Mercredi, les conditions seront encore instables sur la majorité des régions, allant des Pyrénées et du sud de la Vendée aux frontières du Nord-Est et de l'Est. Et à partir de jeudi prochain, les conditions anticycloniques devraient se renforcer sur le Nord avec un temps qui deviendrait calme, sec et ensoleillé sur ces régions, alors qu'au sud, l'instabilité devrait se maintenir avec des nuages et des averses et les températures resteront très fraîches pour la saison. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, passez un bon moment devant NCIS. Très belle soirée à tous et à demain.